Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Écoutez, tout d'abord, première nouvelle, j'ai investi dans un micro de cravate que vous pouvez voir ici. Donc je sais pas trop pour le rendu ce que c'est, moi j'ai l'impression que c'est un peu pourri parce que j'ai fait des tests, mais enfin laissez-moi vos retours, dites-moi si c'est bien avec ou si c'est mieux sans, comme ça bah du coup j'arrêterai de l'utiliser. Cette semaine a été fort chargée, c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu faire de vidéo. Bah, d'ailleurs je vais vous montrer l'état de mes ongles. Donc voyez un peu cette horreur. Regardez mes cheveux, franchement on dirait une folle, vraiment on dirait une folle. Donc voilà, c'était assez chargé. Bref, parenthèse fermée. Aujourd'hui je vous viens avec une histoire canadienne. Donc amis canadiens, si vous passez par là, bonjour. C'est un fait divers qui remonte à quoi? À 10 ans à peu près et qui a défrayé la chronique à l'époque des faits, tant l'histoire elle est scabreuse. Et le rendu du premier procès a été mais vraiment scandaleux. Enfin bref, je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous spoiler. Je vais vous laisser vous poser tranquillement et puis bah je vous dis à tout de suite. Messieurs, bonsoir. Eh bien, ce sont des événements qui ont choqué il y a 5 ans de ça déjà, mais on n'a pas fini d'entendre parler de l'affaire Guy Turcotte. L'ex-cardiologue a été reconnu non criminellement responsable du meurtre de ses deux enfants. Maintenant, il décide de s'adresser à la Cour suprême du Canada pour tenter d'éviter un deuxième procès. C'est une demande qui va entraîner inévitablement de nouveaux délais. Isabelle Richer. Guy Turcotte a jusqu'à lundi au plus tard pour déposer sa demande de permission d'en appeler à la Cour suprême, comme l'a indiqué son avocat Pierre Poupard. Dans ces circonstances, Maître Poupard a plaidé qu'il était inutile de fixer une date de procès tant qu'on ne sait pas ce que décidera le plus haut tribunal du pays. La poursuite aurait quand même voulu réserver une date pour le procès afin de faire avancer les choses, mais le juge a estimé que c'était prématuré. Et compte tenu que le processus judiciaire est respecté, on s'en va devant le plus haut tribunal du pays. Il faut prendre le temps que les choses soient bien faites. Et je pense que cette décision-là d'aujourd'hui est une décision qui est saine. On est en 1999 à Québec, au Canada. Guy Turcotte et Isabelle Gaston, deux étudiants en médecine de 27 ans, se rencontrent à l'université Laval et ils vont commencer à se côtoyer. Bien que tous les deux n'aient pas du tout le même caractère, lui, il est décrit comme un garçon plutôt timide et introverti. Elle, c'est une jeune femme assez extravertie, assez marrante, qui croque la vie à pleines dents. Ben, ils vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre. Voilà, l'histoire, elle va commencer comme ça. Ils emménagent très rapidement ensemble et déménagent à Prévost en 2003, puisque Guy Turcotte a trouvé un poste de cardiologue dans une commune voisine de Prévost. Le 27 avril 2003, Isabelle met au monde Olivier, leur petit garçon, et directement après son accouchement, elle reprend ses études et trouve un travail dans le même hôpital que son conjoint. En août 2003, toujours autant amoureux l'un de l'autre, ils décident de se marier et en décembre 2005, Isabelle accouche de leur petite fille Anne-Sophie. C'est ce qu'on peut appeler la concrétisation du rêve américain, vous savez, de jeunes étudiants qui se rencontrent à l'université, qui tombent amoureux. En plus, c'est des gens plutôt beaux, hein. C'était une très belle femme. Isabelle, Guy Turcotte également était un très bel homme. Donc c'est vraiment, à mon sens, à ce qu'on peut appeler le rêve américain, quoi. Ils se rencontrent, ils se marient, ils ont une maison, ils ont des enfants. En plus, ils sont d'un milieu plutôt bourgeois, c'est quand même des médecins. Elle est médecin urgentiste, lui est cardiologue. Donc, on peut dire en fait qu'ils ont vraiment tout pour eux. Le problème, c'est que les années qui vont suivre, le couple en fait va progressivement s'éloigner l'un de l'autre. À partir de 2007, ils vont commencer à se prendre le bec très régulièrement. Ils vont de moins en moins passer de temps ensemble. Et c'est ce qu'on peut appeler en fait la crise passagère d'un couple. Vous savez, tous les couples passent par là. C'est la crise, on s'entend plus, on passe plus de temps ensemble parce que bon, il y a les enfants à éduquer, le travail qui nous prend beaucoup de temps. Donc là, en fait, ils en sont rendus au point que tous les deux sont devenus limite des inconnus l'un pour l'autre. À partir de fin 2008, Isabelle commence à entretenir une liaison avec Martin Huot, qui est un ami du couple. Et en fait, cette liaison va rester secrète quelques mois jusque fin janvier 2009. C'est en fait le moment où Guy va apprendre la relation de son épouse par le biais de la femme de son amant. Donc je crois qu'il va l'apprendre via Facebook, il me semble.
Et là, en fait, mis au pied du mur, Isabelle sait que Guy est au courant. Tous les deux vont, je pense, se disputer à propos de cette liaison et ils vont décider de se séparer. Donc, fin janvier 2009, Guy décide de quitter le domicile conjugal et prend une maison pas très loin non plus, afin de pouvoir garder le contact avec ses enfants. D'ailleurs, quand ils se séparent, fin janvier, ils décident tous les deux de mettre en place un système de garde alternée afin que Guy et Isabelle puissent passer autant de temps l'un que l'autre avec les enfants. Le problème, c'est que les relations déjà tendues entre Isabelle et Guy vont très rapidement tourner à la guerre, puisque Guy va découvrir qu'Isabelle continue à fréquenter Martin Huot. En fait, un jour, il se rend à son ancien domicile afin de récupérer des vêtements. Et là, il va tomber sur Martin Huot qui sort de chez lui. Donc, tous les deux vont se disputer et Guy va frapper cet homme. Donc déjà que les relations, elles n'étaient pas au beau fixe, là, ça vire carrément à la guerre. Les enfants, quant à eux, assistent à toutes ces disputes, assistent à tout ça. Mais après, bon, vous savez, des enfants, 5 ans, 3 ans, c'est, bon, ils ne sont pas vraiment conscients. Je pense qu'ils savent, ils comprennent plus ou moins ce qu'il se passe, le drame qui est en train de se jouer. Mais ils sont peut-être trop petits, en fait, pour vraiment prendre conscience de tout ça. Eux, en tout cas, ont la possibilité de passer autant de temps avec leur père que leur mère. Et de ce que j'ai pu en lire, Olivier et Anne-Sophie étaient deux enfants qui étaient très, très heureux en fait, avec leurs parents. C'était des enfants qui ne manquaient de rien, qui avaient autant chez maman que chez papa, des jouets. Enfin, disons que cette séparation, elle n'a pas vraiment joué sur leur confort de vie ou même sur la fréquence à laquelle ils pouvaient voir leurs parents, puisque Guy ne vivait pas très loin de chez Isabelle. Et de fait, l'un et l'autre pouvaient passer autant de temps avec leur papa que leur maman. Le 20 février 2009, soit un mois après avoir quitté le domicile conjugal, Guy Turcotte récupère ses enfants à la sortie de l'école puisque c'est à son tour de les garder. Il décide de passer par son ancien domicile afin d'y récupérer des effets personnels et là il va se rendre compte que les serrures ont été changées. Ça va le mettre dans une rage folle. Il va échanger des messages d'insultes avec Isabelle. Dedans il lui déclare que si elle a décidé de faire la guerre de cette façon, enfin bref, pour lui en fait c'est une déclaration ouverte de guerre. Il va donc s'en aller, il va passer par un loueur de vidéos afin de récupérer des vidéos de dessins animés pour ses enfants et il rentre chez lui. Dans la soirée, il va coucher Anne-Sophie et Olivier et en fait, il va faire des recherches sur son ordinateur il va rechercher des méthodes de suicide en fait. Je pense qu'il a dû regarder des méthodes les moins douloureuses pour se suicider. Dans la foulée, il appelle la nounou qui devait lui garder ses enfants pendant une heure ou deux le lendemain matin et il lui explique qu'il aura finalement plus besoin de ses services. Le lendemain matin, très tôt, Marguerite Fournier, la mère de Guy Turcotte, appelle la police. Elle est extrêmement paniquée. Et là, en fait, elle leur explique que la veille au soir, elle a eu son fils Guy au téléphone, qu'il avait un discours assez incohérent, qui semblait ivre et en même temps très mélancolique, très triste. Et qu'en fait, elle a peur parce qu'elle a un mauvais pressentiment. Je vous laisse écouter son appel. Urgence d'affaires, quelle est votre urgence? Bonjour, est-ce que vous pouvez envoyer une auto de police au... Qu'est-ce qui se passe? Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, c'est que notre fils a appelé hier soir. Il était bien découragé. J'ai jasé longtemps avec lui au téléphone. J'ai espéré que toutes les choses aillent bien. Ce matin, on a essayé d'appeler, puis ça répondait pas. C'est qu'on s'est rendu à la maison. Tout est fermé. Il n'y a rien qui bouge là. Son char est là. C'est que il était en grande difficulté. Il était dans la désolation. Il m'a dit plusieurs fois, « Maman, je t'aime. Dis à papa que je l'aime. » Il nommait ses frères et sœurs un après l'autre, puis il disait « Dis-leur que je les aime. » D'après moi, il avait bu. Okay. Parce que c'était pas sa conversation, sa façon de parler habituelle. Là. Okay. Dans la matinée, suite à l'appel de Marguerite Fournier, deux agents de police décident de se rendre sur place. Donc ils arrivent devant la maison, ils trouvent Marguerite Fournier et son époux Réal, tous deux paniqués.
Les deux agents de police vont forcer la porte de la maison. Ils vont rentrer et là, en fait, au premier étage, ils vont faire une découverte sordide. Ils vont trouver le corps d'Olivier, 5 ans, et d'Anne-Sophie, 3 ans, sans vie, baignant dans leur sang. Ils vont également trouver caché sous un lit Guy Turcotte. Il est imbibé de vomi, de sang, mais il est vivant, il n'est pas du tout blessé. Et d'après leur première constatation, il a ingéré du liquide de lave-glace afin de mourir. Guy Turcotte est emmené à l'hôpital et il est mis en état d'arrestation. Quant aux deux enfants, ils sont également emmenés à l'hôpital pour leur autopsie. Le soir même, Isabelle Gaston est avertie. Donc elle se trouvait en fait avec des amis à la montagne. Et on lui demande de rentrer du coup afin de... j'imagine d'identifier les corps et puis d'être là pour la constatation du décès de ses deux enfants. Durant l'autopsie, le médecin légiste va établir que le petit Olivier a reçu 27 coups de couteau, qu'il est couvert de blessures de couteau au niveau de l'abdomen, du dos, mais également des bras, des poignets, ce qui laisse en fait supposer qu'il a essayé de se défendre quand son père le lardait de coups de couteau. La petite Anne-Sophie, elle, a reçu 19 coups de couteau, mais uniquement en fait sur l'abdomen. Elle n'a aucune marque défensive, ça veut dire qu'elle n'a pas essayé de se défendre. Par contre, le médecin légiste va trouver dans les mains de la petite fille de 3 ans des touffes de ses cheveux. En fait, on imagine que lorsque son père était en train de la poignarder, elle s'arrachait en fait des morceaux de cheveux sous l'intensité de la douleur. Je vous dis ça, j'en ai des frissons. Et du coup, tous les deux sont morts à la suite de leurs blessures. En avril 2011, s'ouvre le procès de Guy Turcotte pour homicide. À la barre sont appelés des psychiatres. Certains vont dire que Guy Turcotte est pénalement responsable. D'autres vont dire qu'il est pénalement irresponsable, puisque le liquide lave-glace aurait altéré son jugement, qu'il faisait également une dépression nerveuse, qu'il avait des troubles de l'attention. Donc en fait, pour eux, il n'est pas responsable de ce qu'il a fait. Et en juillet 2011, Guy Turcotte est reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Et de là, il est envoyé en hôpital psychiatrique pour y suivre un traitement. Et finalement, un an après sa condamnation, Guy Turcotte est libéré sous condition. La commission d'examen des troubles mentaux qui vient de rendre sa décision au cours des toutes dernières minutes, libérant donc l'ancien cardiologue Guy Turcotte de l'Institut Philippe Pinel, ici à Montréal où je me trouve, où donc il était entendu ce matin. Il revenait donc devant cette commission d'examen des troubles mentaux. Il est libéré, mais il y a quand même des conditions, des modalités qu'il devra respecter, notamment dans un endroit qui sera approuvé par une équipe traitante, par les gens ici à l'Institut Philippe Pinel. Est-ce que ça pourrait être chez de la famille proche, des amis? Donc là, ça a été en fait le tollé général au Canada. Des gens manifestaient dans la rue, c'était l'incompréhension totale, puisque ça, pour les gens, ça n'avait pas de sens qu'on puisse reconnaître cet homme non criminellement responsable en invoquant le fait qu'il avait des troubles de l'attention, qu'il avait une dépression. Enfin, il est quand même cardiologue, donc voilà. Bon, après, moi, je suis pas psychiatre, donc je peux pas poser de diagnostic, mais voilà. Enfin, bref. Suite à toutes ces manifestations, j'imagine, le ministère de la Justice de Québec décide de demander la réouverture d'un procès. Donc, il demande à invalider, en fait, le rendu du premier procès. En novembre 2013, le ministère de la Justice obtient un gain de cause et la Cour d'appel de Québec annule le premier verdict du premier procès. De fait, Guy Turcotte est de nouveau en état d'arrestation pour homicide. De leur côté, les avocats de Guy Turcotte saisissent la Cour suprême du Canada selon le principe qu'on ne peut pas juger une personne deux fois pour la même chose. En droit, je crois que c'est non bis in idem. Bon, si des avocats, des juristes passent par là, corrigez-moi. Et en gros, l'idée, c'est que on ne peut pas juger quelqu'un deux fois pour une chose à laquelle il a déjà été condamné. Mais le ministère de la Justice, en fait, ils ont trouvé un truc, genre pendant le premier procès, pour eux, il y a une irrégularité. Je ne sais pas exactement comment ils ont fait, mais en gros, ils ont dit qu'il avait été
condamné la première fois, il avait été considéré comme non criminellement responsable sur la base d'une erreur. En gros, le lave-glace n'avait pas altéré ses capacités et son jugement. Et la Cour suprême du Canada, en mars 2014, a rejeté la requête de Guy Turcotte. Donc, il est bel et bien de nouveau mis en état d'arrestation pour homicide. En septembre 2014, Guy Turcotte est libéré sous caution, puisque pour le juge, il ne présente aucun risque pour la population. Et précisément un an après, donc en septembre 2015, s'ouvre le second procès de Guy Turcotte. Et le 6 décembre 2015, il est reconnu coupable d'homicide sans préméditation sur ses deux enfants. Et il prend donc la peine de perpétuité avec 17 années incompressibles. En janvier 2016, Guy Turcotte fait une demande d'appel qui est rejetée. Et depuis, il est incarcéré au centre pénitentiaire de haute sécurité de Port-Cartier à Québec. Quant à Isabelle Gaston, depuis, elle essaie de se reconstruire comme elle peut. Je crois qu'elle a vécu un peu en Afrique, qu'elle a fait également une demande d'adoption. Elle a refait sa vie. Hein. Et après, concernant mon opinion sur cette histoire, c'est une histoire assez horrible. Hein. Un père qui tue ses deux enfants, je pense que c'est pas le genre d'histoire qui fait plaisir à entendre. Moi, le seul truc que je vous demanderais, c'est d'éviter de jeter la pierre sur Isabelle Gaston. Même si elle a été infidèle, c'est des choses de la vie qui arrivent. Et ça donne pas pour autant le droit à un homme de tuer ses enfants. Enfin, c'est complètement délirant. Donc je pense que déjà, cet homme, à la base, ça devait pas être quelqu'un de bien. Parce que des gens qui se font tromper, il y en a tous les jours. Et pour autant, ils vont pas tuer leur gosse pour se venger de leur ex-femme. Parce que j'ai lu des trucs assez bizarres sur Internet. Des gens qui mettaient, elle a trompé son mari. En gros, bien fait pour sa gueule et tout. Enfin, je sais pas, c'est quand même assez bizarre de cautionner qu'on tue deux enfants sous prétexte que la femme ou l'homme a été infidèle. Je vois pas ce que les enfants, en fait, ils ont à voir là-dedans. Enfin, voilà tout pour l'affaire Guy Turcotte. J'espère qu'elle vous aura intéressé, à défaut de vous avoir plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Quand j'ai su que mes enfants sont décédés, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il fallait que j'aille les bercer. Ça a-tu du bon sens? Ça a-tu pas de bon sens? Je sais pas. Je me suis mis en mode urgentologue, OK? J'ai dit, les filles, parce que j'étais avec mes amis de filles, ça criait, ça pleurait. Je me suis ressaisie, j'ai dit, oh, Olivier, Anne-Sophie ont besoin de moi. Faut que j'aille les bercer. Puis après, mon cerveau s'est mis à s'imaginer toutes sortes d'affaires. Parce que là, je ne savais pas de quoi il était mort. On ne voulait pas me le dire.